Né de la collaboration entre Jeep et Fiat, le Grand Cherokee arrive déjà à l'heure du restylage. Alors le constructeur américain a procédé par petites touches afin de soutenir la concurrence qui, on le sait, est très féroce sur le segment des 4x4 de luxe. Le Grand Cherokee doit faire face à une concurrence énorme sur le segment des 4x4 de luxe. Évidemment, on pense au Q7, au X5, mais surtout au nouveau Range. Alors ce Grand Cherokee avait déjà pour lui son look et le constructeur n'a pas voulu le dénaturer. Il a procédé donc par petites touches. Évidemment, on retrouve les 7 barrettes typiques de chez Jeep. Mais ce qui change, ce sont les optiques à l'avant légèrement redessinées, ce qui lui donne un look un peu plus agressif. Même punition à l'arrière avec un nouveau haillon redessiné pour faciliter l'accès à bord. L'habitacle de ce Grand Cherokee était déjà une très bonne surprise en 2010, c'est toujours le cas avec un dessin de planche de bord original, des assemblages et des matériaux flatteurs. Certes, ça n'atteint pas encore le premium allemand, mais c'est en progrès. Les nouveautés concernent l'apparition d'un combiné d'instrumentation numérique un peu façon Land Rover, où tout est entièrement paramétrable depuis les palettes au volant. Vous pouvez gérer la transmission, la hauteur de caisse, la gestion des différentiels. Et l'autre nouveauté, la plus importante, c'est l'apparition de cette console multimédia, un écran de 8 pouces et demi, où également tout est regroupé à l'intérieur, toutes les commandes de confort, les commandes multimédia, bref, vous avez le top pour voyager. Pour terminer au niveau des cotes, ça ne change pas, on a affaire à un véhicule accueillant, avec des sièges XXL et bien moelleux à l'avant, de la place à l'arrière, et un coffre qui se situe dans la moyenne de la catégorie à 780 litres environ. Le seul reproche, c'est son seuil de chargement assez haut perché. Bienvenue à bord du nouveau Grand Cherokee et la nouveauté, ce n'est pas la motorisation, mais la transmission. C'est une boîte ZF à 8 rapports, la même que chez Jaguar et Land Rover, qui profite évidemment au niveau de consommation, à l'agrément, mais aussi au niveau d'émission. Alors elle est couplée au système de suspension pneumatique, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine vitesse, les suspensions s'abaissent pour profiter à l'aérodynamisme, évidemment au taux de consommation et d'émissions. Alors au niveau du comportement, ce Grand Cherokee, c'est une base de Mercedes ML avec un train arrière multibras qui en fait une excellente routière avec un niveau de confort vraiment royal. Voilà. Bon, ça en fait pas vraiment une sportive pour autant. Elle sera largement derrière les Allemands en termes de comportement dynamique sur l'asphalte. Mais attention, une fois qu'on sort du bitume, ce Grand Cherokee est vraiment un as grâce à son système de gestion de motricité qui s'appelle Select Terrain. Vous pouvez configurer selon le mode sable, neige, rocaille, bref, ce Grand Cherokee passe là où les Allemands s'arrêtent. Au registre des motorisations, c'est très simple, il y a trois moteurs, une version Flexifuel, c'est à noter, elle fera son apparition dès le mois d'août, elle est exempte de malus, et ça pour un véhicule de ce gabarit, c'est plutôt une bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous disposons du V6 diesel qui gagne pour le coup une dizaine de chevaux, il atteint 250 chevaux, un couple de 570 Nm, donc en progrès un petit peu partout. Malheureusement, il ne peut pas faire de miracle. Compte tenu du poids, il a toujours un appétit assez important. On a relevé entre 11 et 12 litres. Et pour terminer et pour venir coiffer la gamme, vous disposez évidemment du gros V8 sur la version SRT. Plutôt bien né, le Grand Cherokee n'avait pas vraiment besoin d'une révolution, mais cette version restylée corrige un petit peu les défauts du passé, à commencer par la boîte de vitesse. L'arrivée de cette boîte ZF à 8 rapports fait du bien aux performances, mais aussi à l'agrément. Les motorisations évoluent dans le bon sens également. À noter l'apparition d'une version Flexifuel totalement neutre au malus. Et pour le reste, les quelques équipements qui font leur apparition améliorent un petit peu l'agrément général du véhicule. C'est beaucoup mieux qu'auparavant. Certes, ça n'atteint pas encore le niveau premium que revendiquent les Allemands. Et pour terminer, ce qui fait également le point fort de cette voiture, ce sont ses tarifs très agressifs avec une version d'entrée de gamme à 55 000 euros. Et cela peut grimper jusqu'à plus de 80 000 euros. Si vous faites le calcul, c'est entre 10 et 12 000 euros de moins que la concurrence.